Jaya. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero pour un petit conseil pratique, comment nettoyer ses flasques plutôt que de les jeter quand elles commencent à être un petit peu abîmées, à avoir un petit peu de moisissure. Ben, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, très rapide, très simple. Vous allez voir, vous avez besoin effectivement de très peu de choses, mais je vous dis ça juste après le jingle. Alors, pour cette astuce, vous avez besoin de vous munir effectivement d'un peu de pec citron, également du bicarbonate de soude et un petit peu de riz. Pourquoi ? Parce que ça se passe en deux étapes. Une première étape, 20 minutes, vous mettez vos flasques donc avec du pec citron et de l'eau chaude. Vous secouez au maximum. Vous laissez après patienter 20 minutes. Et ensuite, on va mettre notre deuxième solution pour supprimer tout ce qui est bactéries et début de moisissure dans vos flasques. Pour nettoyer vos flasques, effectivement, parfois c'est un petit peu le calvaire, il nous faut du furet, etc. On bataille un petit peu et finalement c'est jamais bien nickel. Ben voilà, je vous donne une petite astuce, un petit remède de grand-mère pour nettoyer ça avec tout d'abord, première étape, on met du pec citron dans sa flasque, comme ceci. On met de l'eau chaude pour que justement on commence à avoir, vous voyez là ça commence à déborder, donc là vous voyez on agite pour que ça soit bien nickel homogène, vous voyez la mousse qui est répartie partout dans la flasque et ensuite on va attendre 20 minutes. Allez, donc l'étape 2, ça y est, donc mon petit riz, mon petit bicarbonate, je mélange le tout et le plus difficile, ça va être tout simplement d'y rentrer dans la flasque. Allez, on y va maintenant. Hop, le plus difficile, c'est de rentrer tout ça. Donc le bicarbonate et le riz à l'intérieur, vous voyez, hop. Tac. Ensuite, vous y mettez une bonne dose, encore une fois, de liquide vaisselle, comme tout à l'heure. On y va franchement. Et on rajoute l'eau chaude. Hop, on remplit bien la gourde jusqu'en haut. On ferme. Vous voyez, il y a un petit peu de mousse. On ferme. Et là, c'est le moment. L'étape 4. Maintenant, j'ai tout mis. Et c'est maintenant qu'on nettoie tout. On y va à fond jusqu'au bout. Donc là, il n'y a pas une question de temps, mais vraiment, il faut simplement secouer un maximum. Et quand on estime vraiment avoir tout donné, et ben on va simplement rincer. Vous voyez, la flasque a vraiment, vraiment durci. Et on y va. Voilà le résultat, donc vous voyez ici, il n'y a plus rien, c'est tout nettoyé nickel, donc vous voyez, ça vaut le coup de secouer un petit peu, en plus finalement, ça fait un peu de sport complémentaire, un PPG, c'est gratuit, et ça nous permet d'avoir du matériel en bon état. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis tout simplement d'avoir une petite astuce complémentaire pour nettoyer sa flasque ou ses flasques, parce que finalement, ça évite de les jeter, on peut les utiliser pendant un bon moment. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, à partager, à liker. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, bel été et à très vite. On the road again!